Les programmes d'Alger Chaîne 3 se poursuivent. Tout de suite, le journal de 19h. Il vous est présenté par Linda Hamad. Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Adjal, bonsoir à tous. Et on commence par les titres. Les relations algéro-turques à l'honneur ce soir. Les deux pays ont signé de nombreux accords à l'occasion de la visite officielle du président turc en Algérie, Recep Tayyip Erdogan, reçu par son homologue Abdelmadjid Tebboune. Des entretiens qui ont réuni les deux dirigeants, lesquels ont animé une conférence de presse conjointe sur laquelle nous reviendrons dans quelques instants. Les deux pays convergent sur de nombreuses questions internationales, notamment la Palestine, condamnation et appel aux arrêts des massacres et saisie de la CPI. À Gaza, tous les appels au cessez-le-feu semblent ignorés. L'armée sioniste continue à s'en prendre aux civils, aux malades et aux hôpitaux, devenus une cible de prédilection. L'ambassadeur de la Palestine à l'ONU réclame le respect des résolutions et du droit international et émet le vœu que les négociations en cours au Qatar aboutissent à une trêve humanitaire d'au moins 5 jours pour commencer. Le retour de la pluie automnale, très attendue pour arroser les terres agricoles qui commencent à montrer des signes d'aridité. Les agriculteurs y voient là de l'espoir. Et puis sur les routes, déjà les premiers accidents liés aux chaussées glissantes. La DGSN et l'Algérienne des autoroutes appellent à la vigilance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Algérie-Turquie, des relations historiques, économiques et politiques solides avec des perspectives nouvelles pour les renforcer davantage. Une volonté commune affichée par les deux présidents Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan en visite officielle en Algérie. Les deux dirigeants en ont parlé devant la presse au terme de la cérémonie de signature de la déclaration commune de la deuxième session du Conseil de coopération de haut niveau. Synthèse signée Ibtihal Haddoun. Des accords signés dans plusieurs domaines des relations algéro-turques ont connu ces dernières années une évolution qualitative grâce à la forte volonté des deux pays de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale dans divers domaines. Abdelmadjid Tebboune, président de la République. من التعاون نظرا للإرادة السياسية الصادقة في الجزائر وتركيا ولدينا ديناميكية في التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الذي شهد تطورا متزايدا في السنوات الأخيرة واصبحنا لهذا مع أشقائنا الأتراك ثاني شريك تجاري في إفريقيا. Renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, l'objectif est d'atteindre les 10 milliards de dollars à moyen terme. Recep Tayyip Erdogan, président turc. 3 milyar hacmimizin bu sene sonunda 6 milyar dolar 5 milyar dolar العام الماضي الى 6 milyar dolar بنهايه العام الحالي ونامل ان نصل الى حجم التجاره البالغ 10 milyar dolar الذي عقدناه مع اخي تبون في وقت قصير واعتقد ان باقيه التجاره التقليديه التي ستبدا المفاوضات بشانها لاعلان النوايا المشتركه التي تقع وزراء التجاره اليوم سوف تقدم مساهمه كبيره في هذه الجهود. Des relations qui connaissent une forte dynamique et afin d'atteindre un niveau plus élevé de coopération et de partenariat, les deux pays ont convenu de préserver leurs efforts à même de les intensifier. Et dans cette conférence de presse conjointe, le président de la République Abdelmadjid Tebboune n'a pas manqué d'évoquer la situation extrêmement tragique par laquelle passent les Palestiniens de plus maintenant plus d'un mois et demi et a beaucoup insisté sur le jugement des criminels de guerre par la CPI. La démarche, dira-t-il, a connu une forte adhésion. On l'écoute. لما هبوا هبة واحدة بعد نداء الجزائر لأن يقدموا مسؤولي الجرائم جرائم الحرب والتقتيل الجماعي إلى محكمة الجنايات الدولية إذا المشكورين وأعتقد أن لأول مرة منذ 75 سنة بعد من ارتكبوا هذه الجرائم يفلتون من العدالة لأول مرة بالأقل سيقفون أمام العدالة. Cheikh Ibn Zawi, l'Algérie et la Turquie partagent donc une vision commune quant à la question palestinienne, mais pas que. Il y a convergence de vues sur de nombreux autres dossiers.
une portée régionale et internationale. Les positions communes de l'Algérie et de la Turquie sur plusieurs dossiers, mais aussi sur la question du Moyen-Orient, envoient un message fort à la communauté internationale. Le président Abdelmadjid Tebboune ainsi que son homologue turc considèrent tous les deux qu'il est impératif d'engager une action commune urgente pour arrêter l'expansion de la colonisation et arrêter le terrorisme pratiqué contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie et traduire l'entité sioniste devant la Cour pénale internationale. Les deux chefs d'État demeurent attachés au principe d'un État palestinien basé sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. La visite d'Erdogan en Algérie est bien plus qu'un événement diplomatique. Elle aspire à un avenir où la coopération économique et politique demeure une nécessité dans une conjoncture internationale où les alliances sont légion. L'Algérie et la Turquie ont des intérêts communs et des défis partagés et peuvent contribuer à la stabilité régionale et internationale à travers des actions communes. La Palestine et les derniers développements, on y reviendra dans quelques instants. Le temps pour nous d'évoquer les progrès auxquels ont abouti les échanges économiques entre Alger et Ankara. Une dynamique démontrée par ce volume d'échanges actuellement évalué à 5 milliards de dollars, appelé à être revu à la hausse jusqu'à atteindre les 10 milliards de dollars. En Algérie, active quelques 1550 entreprises turques. Les opérateurs économiques turcs et algériens sont réunis ce soir justement au CIC lors d'un forum déclaré ouvert il y a quelques minutes par le Premier ministre Nadir Larbaoui. On l'écoute des propos recueillis par les Bourgadoum. L'Algérie est le deuxième partenaire de la Turquie en Afrique avec des volumes des échanges dépassant les 5 milliards de dollars et reste la première vitrine dans l'investissement étranger direct dans le continent. La Turquie compte le plus grand nombre d'investisseurs étrangers hors hydrocarbures. Les atouts et les potentialités des deux pays restent un facteur de qualité pour booster le volume du partenariat au niveau escompté pour les dirigeants des deux pays pour atteindre un volume de 10 milliards de dollars à moyen terme. À ce forum placé sous le slogan « Pour un partenariat économique productif et durable », on aura bien évidemment à y revenir avec Rim Bouradoum dans la soirée dans les journaux de Sofiane Saouli. On rappelle juste que le Premier ministre a dans son discours tout à l'heure condamné avec les termes les plus forts la politique génocidaire de Netanyahou en ce 46e jour consécutif de guerre à Gaza mais aussi ailleurs en Cisjordanie occupée. Des attaques au sol, pilonnage et des vagues d'arrestations sur fond d'appel inaudibles au cessez-le-feu après l'hôpital Shifa réduit en champ de ruines. En toute impunité, les soldats de l'armée sioniste encerclent depuis ce matin l'hôpital indonésien assiégé par les chars. Tous les codes de guerre sont ignorés et le droit international traité avec beaucoup de mépris, selon l'ambassadeur de Palestine à l'ONU, Riyad Mansour, que nous avons contacté cet après-midi. Ce qui se passe dans les hôpitaux est un crime de guerre. Le droit international et le droit humanitaire interdit formellement toute agression contre les hôpitaux, contre le personnel médical, les médecins et tous ceux qui travaillent dans ces structures de santé. C'est interdit également, selon le droit international, de s'attaquer aux ambulances. Les hôpitaux et leur matériel sont consacrés à sauver des vies, contrairement aux outils de l'armée sioniste qui arrache des vies, tue des milliers de nos enfants palestiniens. Parallèlement au siège des hôpitaux et au bombardement aérien, les forces d'occupation sionistes s'attaquent à tous les civils palestiniens épaulés par des gangs de colons à Jenin, Ramallah, Naplouse et Al-Quds Est. Aucune partie n'est épargnée. Rien qu'aujourd'hui, une centaine de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont tombés en martyr, ce qui augmente encore le bilan à près de 13 000 tués au total et 32 850 blessés, sans oublier le nombre croissant des déplacés évalué à 1 700 000. Alors pour faire cesser ces massacres, les initiatives de paix restent très rares. Au Qatar aujourd'hui encore, des négociations sont en cours pour tenter de faire fléchir Netanyahou et le convaincre à conclure un accord pour la libération des otages. Le Premier ministre israélien tergiverse, il croit pouvoir se maintenir à son poste selon Riyad Mansour, l'ambassadeur de Palestine à l'ONU.
Ces négociations se sont déroulées au Qatar en présence des représentants de l'administration américaine et les renseignements israéliens ont abouti en premier lieu à échanger les otages des deux côtés, surtout les femmes et les enfants. Celui qui bloque ces négociations est Netanyahou, qui aspire à faire durer cette guerre le plus longtemps possible. Il pense ainsi pouvoir se maintenir à son poste, sauf que la pression s'accentue autour de lui de la part de nombreux pays. Nous espérons que les Américains puissent le contraindre à signer cet accord pour au moins 5 jours de trêve pour que les Palestiniens puissent au moins pouvoir retirer des décombres les corps de leurs familles. Nous espérons que l'accord soit conclu au plus vite. Des conditions tout aussi déplorables sont vécues dans les prisons. Les détenus palestiniens subissent les pires des sévices, mauvais traitements et humiliations, trefouilles, injures et coups au quotidien. Selon Shawen Jabalin, directeur général d'Al-Haq, l'organisation palestinienne de défense des droits de l'homme et des prisonniers, contacté par Mariam Abdou. L'occupation agit avec les détenus palestiniennes en les isolant. Ce comportement est un moyen de pression. L'occupation suppose que l'on peut exercer plus de pression sur les femmes. Je l'ai vécu quand j'étais en détention administrative, plus d'une fois et durant plus d'une année. C'est un comportement de genre. Il y a plus de cruauté envers les femmes détenues, plus d'humiliation par diverses façon. Ceci est également lié à ce qui est qualifié de ministre de la sécurité intérieure israélien, Ben Gafir, un fasciste qui déverse toute sa cruauté et son inhumanisme sur les détenus. Ceci est lié, comme cela semble se réaliser dans les jours ou les heures à venir, aux accords d'échange qui vont permettre de libérer des Palestiniens. Et nous avons ce soir cet appel des pays membres des BRICS qui ont appelé à des actions urgentes et un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Le président russe Vladimir Poutine a demandé à la communauté internationale à unir ses efforts pour désamorcer la situation, assurant que le bloc des 5 pays pourrait jouer un rôle clé dans ce travail. À propos du Sahara occidental, les agences des Nations Unies et les acteurs humanitaires ont lancé aujourd'hui à partir d'Alger un plan spécial réfugiés sahraouis pour la période 2024-2025. Ces agences estiment que l'opération humanitaire en faveur de ces réfugiés reste sous-financée de façon chronique malgré les efforts entrepris. La conférence du lancement a été organisée à l'initiative du bureau de l'ONU en Algérie. En bref également, le projet de loi de finances 2024 qui a consacré une enveloppe de quelque 220 milliards de dinars en tant qu'autorisation de programme et 60 milliards de dinars en tant que crédit de paiement pour le projet de la nouvelle ville médiatique Zaïre Media City à Alger, le projet de la nouvelle ville médiatique dont le président de la République a posé la première pierre en juillet dernier et qui sera implanté à Ouled Fayet, à l'ouest d'Alger. Il s'étend sur une superficie, rappelons-le, une superficie totale de 47 hectares. Nous les avons trop attendues, ces pluies automnales. Elles sont enfin de retour sur la quasi-partie du pays. 21 wilayas arrosées depuis cet après-midi. Ça ravive quelque peu l'espoir pour les agriculteurs qui commençaient à manifester leur crainte de voir des terres arides, selon le professeur Brahim Ouahouch. Le retard des pluies de cette année n'a pas permis de préparer l'année agricole comme il se doit. On a déjà un retard de précipitation de 25 à 30% sur l'année jusqu'à fin novembre. Néanmoins, si les pluies sont au rendez-vous pour les jours à venir, ce retard peut être facilement rattrapé, surtout pour les agriculteurs qui ont déjà réalisé leur labour. Néanmoins, le souci reste toujours posé en cas d'hiver sec ou déficitaire en pluie. Dans ce cas, le meilleur moyen serait pour les agriculteurs qui ont le matériel nécessaire et un minimum d'eau pour une irrigation de complément automnale appelée irrigation automnale de post-semis qui permet surtout la mise en place des cultures, des grandes cultures, en attendant les meilleurs jours. Voilà, c'était le professeur en agronomie, Brahim Ouahouch. La DGSN appelle de son côté les conducteurs à la prudence sur les routes. Elle rappelle l'impératif de contrôler les véhicules, respecter le code de la route, les limitations de vitesse et la distance de sécurité. Mais on a enregistré les premiers accidents liés aux chaussées glissantes aujourd'hui, dès la matinée, avec ses premières pluies, selon Nasreddine Bardadi de l'Algérien des autoroutes.
Au niveau de Bab Hassan, direction Zeralda, un véhicule léger dérape et percute la glissière en béton. Malheureusement, nous avons enregistré le décès du chauffeur. Aussi, une collision entre deux véhicules légers à la sortie du tunnel de Bouzegza Boumerdès vers Alger. Deux blessés et des dégâts matériels dans un véhicule tombé dans le ravin. Aussi, dérapage de semi-remorque et collision avec un autre semi-remorque. Et un véhicule léger au niveau de Tilouine à l'Akhdaria, direction Bordeaux-Riche, aussi des dégâts matériels et un autre accident au niveau de Benimred à Blida, direction Alger, une collision entre deux poids lourds et deux véhicules légers causant des dégâts matériels et bien sûr un trafic très perturbé. Voilà, restez vigilants, un bulletin météo spécial est en vigueur depuis cet après-midi 15h. Sur la partie centre et est du pays, il restera valable jusqu'à demain 18h. D'importants cumuls attendus, plus de 60 mm. On le verra avec Karima Benoul, ce sera juste après la page sportive. Rostom Yahya Chérif, on va commencer avec le football, éliminatoire du Mondial 2026, zone Afrique, l'Algérie, seul leader du groupe G. Tout à fait, après la défaite de la Guinée à l'extérieur face au Botswana, victoire des Botswanais. 1-0. Il y a eu également la victoire de l'Ouganda, 1-0 face à la Somalie. À retenir également lors des éliminatoires de cette deuxième journée, des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, tenu en échec à l'extérieur face au Togo, 0-0. Victoire du Burkina Faso, 3-0 face à l'Éthiopie. Le Rwanda s'est imposé 2-0 face à l'Afrique du Sud. Le Cap-Vert également s'est imposé 2-0 en déplacement face à l'Eswatini. Et la Tunisie qui s'est imposée hors de ses bases face au Malawi, 1-0. Il y a eu également cette information concernant la CAN 2023 prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Les sélectionneurs des 24 pays qualifiés à la prochaine CAN ont la possibilité de prendre jusqu'à 27 joueurs pour le tournoi. Chaque sélection qualifiée pour la CAN 2023 doit envoyer à la CAF une liste d'un maximum de 55 joueurs 30 jours avant le tournoi final. La liste finale doit être composée des joueurs figurant sur la liste provisoire. Il y a également des modifications. Si l'un des 11 joueurs indiqués sur la liste de départ n'est pas en mesure de débuter la rencontre pour cause de blessure ou de maladie, il peut être remplacé par un remplaçant éligible à la condition que les officiels soient au courant. La sélection nationale de cyclisme sur piste est au Caire pour participer au championnat arabe. Il débutera demain à Rostom. Tout à fait, 11 coureurs algériens prendront part au 12e championnat arabe de cyclisme sur piste, messieurs et dames, prévu du 22 au 25 novembre au Caire. La délégation algérienne est composée de 7 cyclistes de l'élite, El Khassib Sassan, Lotfi Chambaz, Yassine Chalal, Abdelkrim Felkous et Yasmin Meddah également, Hamza Yassine, ainsi que 4 cyclistes de la catégorie des juniors qui sont Mohamed Nasrallah Samiani, Al-Adin El-Samiani, Mounir Al-Lawi et Anes Riyahi. Début de la compétition donc demain. Merci Rostom Yahya Chérif, 19h21 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, fin de cette édition réalisée par Aïcha Hammer et Sidali Toubal. Bonne soirée à tous.